Alors, j'ai monté un escape game ou jeu d'évasion qui s'appelle la Gaillard Academy à Brive. Le principe, en fait, d'être dans un univers comme celui-ci qui est derrière moi et d'en sortir en 60 minutes en résolvant des énigmes, en actionnant des mécanismes, en fouillant dans la pièce, en jouant à des mini-jeux. Voilà, c'est vraiment un jeu d'équipe et de cohésion. Je l'ai connu, je veux dire, par un peu le circuit classique de la création d'entreprise via des réunions un peu je veux dire, sur la création d'entreprise, mais aussi par mon banquier, le Crédit Agricole, qui m'a conseillé de rejoindre le réseau Entreprendre. Ce que j'attends de l'accompagnement, c'est cette aide après, j'allais dire, la création, pendant ces 2 ans qui vont suivre. C'est l'étape cruciale, il y a le démarrage, mais après, il y a le développement de l'entreprise. Et d'avoir aussi d'être avec des chefs d'entreprise qui encadrent, notamment mon accompagnatrice qui va m'aider à progresser tout au long de ces 2 ans et à développer l'entreprise. Ce que je pense des réunions de lauréats, ça permet de tous nous retrouver avec des problématiques qui sont semblables, même pas du tout dans les mêmes domaines d'activité, mais au final on a un peu les mêmes choses en management, mais aussi bien sur la gestion au quotidien, sur des problématiques qui sont communes. Donc ce que j'en entends, voilà, c'est ce que j'en attends, c'est vraiment de vouloir partager un peu l'expérience de chacun et d'approprier, puis un peu de réseau aussi en plus. Donc le prix d'honneur de 15 000 euros m'a aidé à augmenter mon apport personnel sur ce projet, donc qui a permis d'aider à convaincre les banques. Le tout de l'aide financière, c'est aussi c'est cette reconnaissance du réseau aussi qui permet d'avoir, je veux dire, un sérieux sur ce projet pour le monter et pouvoir le pérenniser par la suite.